Comme je le disais au début de l'Eucharistie, je veux profiter de cette fête du Saint-Sacrement pour expliquer un peu les symboles, les signes, les gestes que l'on pose. Sinon, avec le temps, on les fait, on oublie quel est le sens qui se cache derrière ça. Premièrement, j'ai amené des vêtements. Il y en a qui m'ont demandé si je faisais une vente de garage ce matin. C'est pas exactement ça, là. J'ai amené différents vêtements pour montrer que chaque vêtement a un sens. Vous savez, ce matin, je suis habillé comme ça. Le premier vêtement que j'ai en dessous, c'est une eau blanche. J'en ai amené une ici ce matin. Et l'eau blanche, c'est pas réservé aux prêtres. Vous voyez, ceux qui servent la messe ici ce matin ont une eau blanche. Quel est le symbole de l'eau blanche? C'est ceci. C'est pour dire que, d'abord, l'eau blanche, tout le monde pourrait porter une eau blanche ici ce matin. C'est pour te dire que quand je porte l'eau blanche, c'est pour se rappeler que je suis une personne sacrée. Je n'ai pas dit une personne parfaite, vous voyez la différence, hein? Une personne sacrée, c'est-à-dire au-delà de mes défauts, au-delà de mes qualités, le fait que je suis une personne humaine, je suis l'enfant de Dieu, il y a à l'intérieur de moi quelque chose de sacré. Par-dessus l'eau blanche, il y a d'autres vêtements. Ce que je porte ce matin par-dessus, on appelle ça une chasuble. Ce matin, j'ai mis la chasuble blanche parce que c'est la fête du Saint-Sacrement. En blanc, c'est pour les fêtes. À Noël, à Pâques, on va être en blanc. Blanc, puis souvent, il y a un peu de doré autour. J'ai amené la chasuble violet. Vous savez quel moment? Il y a deux moments dans l'année où on met ça. Au carême. Au carême. Et à l'avant. Tu avais droit à deux morceaux de robot, c'est correct. J'ai amené aussi le... Je vais essayer de vous la montrer, la chasuble verte. La chasuble verte, c'est celle qu'on voit régulièrement. Et on appelle ça, quand est-ce qu'on met la chasuble verte, on appelle ça les dimanches ordinaires. Et soit dit en passant, dimanche ordinaire ne veut pas dire dimanche plat. Pourquoi le vert? Le vert, c'est comme le gazon, ça pousse. Et ce qu'on veut montrer, c'est que pendant toute l'année, on est supposé être en croissance, nous autres. Et j'aime souvent dire, si quelqu'un me revoyait dans 5 ans et disait... ou disant, mais Jacques, t'as pas changé, c'est pas une bonne nouvelle. On est supposé de grandir. J'espère que je deviens plus humain en vieillissant. Alors, le vert, c'est ce symbole-là. Quand on célèbre l'Eucharistie, bien entendu, aussi, on se sert de certains vases. Et ce qu'on veut montrer à travers les vases, c'est que le pain qu'on reçoit, puis le vin qui est pour l'Eucharistie, par notre prière, ça devient la présence de Dieu. Et comme c'est la présence de Dieu parmi nous, je ne veux pas mettre ça n'importe comment, il y a un certain respect. Bien entendu, ce sont des vases qu'on n'achète pas toutes les fins de semaine. J'en ai ma patène ce matin. Une patène, c'est comme une soucoupe, une assiette qu'on prendrait chez nous. Et à l'intérieur, c'est doré. Le doré, c'est pour montrer que ce que je vais mettre dedans, c'est pas rien. Là. Pour moi, ce n'est pas juste un bout de pain. Quand on aura fini de prier tantôt, je veux dire, c'est la présence de Dieu. La même chose, j'ai mon calice. Un calice, c'est quoi? C'est une coupe de vin. Mais quand je prends du vin chez nous, je ne bois pas ça avec ça. Là. J'en ai des coupes ordinaires chez nous. Là. Cette coupe-là, elle est gardée pour l'Eucharistie. Et c'est vrai que c'est doré à l'intérieur, toujours pour le même principe. De, hey, c'est pas juste du vin là, qu'il va y avoir là-dedans. Ça devient présence de Dieu. Et des fois, on oublie tout ça, d'où ça vient. Mais il y a le côté humain aussi. Est-ce que ça se vend cher? Ben oui, moi je trouve que ça se vend cher, ces affaires-là. Alors, il ne faut pas acheter ça toutes les fins de semaine. Mais je vous donne un peu comment ça se fait au plan humain. Des fois, on oublie ça. Moi, je viens d'une famille de 6 enfants. 3 gars, 3 filles. Les 3 filles chez nous se sont mariées. Vous savez ce que mes parents ont fait quand mes soeurs se sont mariées? Ils leur ont donné un cadeau. À un moment donné, ils étaient pognés avec Jacques. Jacques, il ne se mariait pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Puis à un moment donné, Jacques a dit, « Ben moi, j'ai pensé être prêtre. » Alors, mes parents ont dit, « Qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Qu'est-ce qui serait symbolique pour un prêtre? Il dit, on va y acheter un calice et une patène. Alors, au verso, c'est marqué en dessous de mon calice aussi, Jacques Lamoureux, 20 mai 1995, don de mes parents. Alors, vous comprendrez que pour moi, c'est symbolique. L'autre aspect sur lequel j'aimerais revenir, quand on vient d'un calice, je dirais qu'on se nourrit principalement de deux façons. Une des façons, c'est par la parole de Dieu. On écoute cette parole de Dieu-là, mais la parole de Dieu, ce n'est pas la page qui est dans le livre. La page qui est dans le livre, on l'écoute. Puis après ça, elle peut nous joindre d'une certaine façon. Puis le rôle du prêtre, quand il fait l'homélie, c'est de dire, « Moi, mon rôle, c'est de vous emmener en Israël pour expliquer ce qui s'est passé là. »
Et mon rôle à moi, c'est de vous ramener à Saint-Hyacinthe, par exemple. Comment cette parole de Dieu peut nous rejoindre aujourd'hui? Et quand on part à la sortie de l'Église, là, c'est pas tout le monde qui a reçu le même message. C'est là où l'Esprit travaille, dans le cœur de chacun. Mais pour montrer que je suis en bonne santé spirituelle, j'espère que de temps en temps, elle me fatigue, cette parole-là. Elle me dérange. Elle me pose question. Et si ça vous arrive de temps en temps, vous êtes en bonne santé. Alors ça, pour moi, c'est le rôle de la parole de Dieu. Il y a une deuxième nourriture qu'on reçoit aussi. Celle-là n'est pas facile à mesurer. C'est la nourriture du sacrement. Vous savez, pour être en forme, si je vous disais, pendant la semaine qui vient jusqu'à samedi prochain, je mange pas, voilà. Et je vais commencer à avoir la tremblette. Il y a des signes qu'on va le montrer. Mais on a aussi besoin de nourriture intérieure. Et parmi toutes les nourritures, il y en a plusieurs nourritures spirituelles qui existent. Jésus nous a laissé l'Eucharistie. Il dit ça là, vous ne trompez pas, faites cela en mémoire de moi, je vais vous nourrir dans ce temps-là. Bien entendu, quand vous sortez d'ici, moi, je n'ai pas d'appareil pour prendre la tension artérielle, spirituelle, comment ça va votre affaire. Ça a-tu monté? Mais on croit que pendant l'Eucharistie, Dieu ne fait pas juste transformer le pain et le vin en la présence de Jésus ressuscité. Il y a autre chose qui est transformée. Nous autres. Dieu nous travaille. Dieu est en train de nous travailler intérieurement. Je vous dirais, moi, qu'à 20 ans, j'étais en Afrique. J'ai vu des gens mourir de faim. C'est-à-dire, moi, j'enseignais là, puis j'arrive la deuxième année pour enseigner, tel élève, il n'est plus là, pourquoi il est mort pendant la saison sèche? Hey, c'est quelque chose de voir la famine en direct. C'est plus une théorie à ce moment-là. Moi, depuis que je suis au Québec, je n'ai pas vu de gens mourir de nourriture comme ça, même si je sais qu'il y a de la pauvreté dans notre monde. Mais je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de famines spirituelles. Et j'en vois régulièrement. Comment on fait pour voir quelqu'un qui souffre de famine spirituelle? Je vais vous dire, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Je ne sais plus si ça vaut la peine de vivre. Ma vie n'a pas de sens. Puis de toute façon, en avant, c'est bouché, ça ne donnera jamais rien. Et remarquez que ce que je viens de dire là, on peut le penser de temps en temps, nous autres aussi, certains soirs, on est fatigué. Mais quand ça reste dans ta vie, c'est signe que tu es en famine spirituelle. Et le moyen de repartir ça, c'est qu'il faut se nourrir. On a besoin de se nourrir intérieurement. Et c'est exactement ce qu'on vient faire à travers le sacrement de l'Eucharistie. Puis je ne me trompe pas, des fois on dit, si je savais exactement ce que Dieu me demande, bien, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, puis je vais vous nourrir. Alors ce matin, quand on vient à l'Eucharistie, c'est exactement ce qu'on vient faire. Je viens chercher cette nourriture dont j'ai besoin. Et je te pour dire, il y a quelqu'un qui sait plus que moi. Moi, je pense de savoir ce que j'ai besoin. Mais Dieu dit, moi, je sais encore plus que toi ce dont tu as besoin. Alors ce matin, à travers cette Eucharistie, on va dire merci à Dieu. J'espère qu'on a toujours des raisons de dire merci. Une des belles prières, c'est une prière de louange, de merci. Souvent, quand on vient à l'Eucharistie, puis moi-même, j'arrive ce matin, j'ai des intentions, là. Je veux confier ça à Dieu. Mais j'espère que ma prière, ce n'est pas juste une prière de demande. C'est aussi une prière de remerciement. J'aime souvent dire que, selon, j'ai une personne que je vois, quand elle appelle chez nous, là, je regarde sur l'afficheur, juste en voyant le nom, là, je sais ce qu'elle va me demander, la personne. Elle est cassée, elle a besoin d'argent. Là. Et j'espère que je ne fais pas la même chose avec Dieu. À chaque fois que je le prie, qu'il voit mon nom sur l'afficheur, il est cassé. Il y a une demande. C'est correct qu'on fasse des demandes, mais j'espère que de temps en temps, si c'est une amitié vraie avec Dieu, on prend le temps de lui dire merci. Alors, je vous laisse quelques instants pour dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau dans votre vie.